Chers amis, depuis octobre 2021, nous nous sommes mis en route dans la démarche synodale demandée par le pape. Et depuis ce moment-là, nous nous sommes réunis dans de nombreux groupes. Nous avons échangé, nous avons parlé sur la vie de l'Église et nous avons surtout envoyé des contributions. Vous avez été plus de 6000 à vous réunir pendant cette étape diocésaine du chemin synodal demandée par le pape François. Et je tiens à vous en remercier chaleureusement. C'est le signe de ce désir de bâtir ensemble une église partagée, une église où ensemble nous portons sa vie et son dynamisme. Aussi, c'est essentiel que le dimanche 22 mai prochain, dans l'après-midi à Saint-Sulpice, vous veniez et nous nous retrouvions nombreux pour accueillir la restitution de tout ce travail des 694 équipes qui se sont rassemblées, que nous puissions redémarrer ou poursuivre, accueillir, mais en même temps nous mettre dans les dispositions pour que ce travail se poursuive et porte du fruit dans la vie de notre beau diocèse de Paris. Alors rendez-vous le dimanche 22 mai à Saint-Sulpice, à 14h30, pour un temps de louange, de restitution, la messe qui sera célébrée par Monseigneur Pontier, et bien sûr, à la fin, un temps festif. Ce sera pour nous l'occasion, en toute simplicité, mais avec beaucoup de joie et de reconnaissance, de remercier Monseigneur Pontier pour sa présence dans notre diocèse. Alors bien sûr, venez nombreux, n'hésitez pas à inviter. Je vous donne vraiment rendez-vous, heureux de vous accueillir et de vivre cette étape avec vous, à l'église de Saint-Sulpice, le dimanche 22, à 14h30, 15h, nous serons tous là. Merci.